Bienvenue à la résidence du Pré Yvelines à Élancourt. Elle a été édifiée de 1969 à 1973. À l'époque, l'État se met à promouvoir plus activement le modèle de la maison individuelle pour construire ce qu'ils appellent des nouveaux villages, des nouvelles formes de villages. Albin Chalandon, ministre de l'Équipement de l'époque, organise un concours international de la maison individuelle, le CIMI, en 1969. Ces maisons que vous voyez ici, elles ont été présentées à ce fameux concours international par les architectes Martine et Philippe Deslandes et l'OCIL, qui est l'Office central interprofessionnel du logement. Ils construiront ce modèle de logement dans différents endroits de la région parisienne, notamment à Puiseux en France, à Bondoufle et ici. Les modèles ici de maisons sont doubles. D'un côté, les pistons, de l'autre, les cylindres. Derrière moi ici, vous voyez le modèle des cylindres. C'est donc un modèle à deux étages, deux niveaux. Il y a des tailles de logements différentes. Ça peut être des 3 pièces, des 4 pièces ou des 5 pièces. On les appelle les cylindres parce qu'ils sont construits autour d'un escalier en colimaçon qui forme un cylindre à l'intérieur de la maison et qui débouche sur le toit terrasse par un puits de lumière zénithale qui permet de répandre la lumière dans toute la maison. L'autre modèle de maison, les pistons, que vous voyez derrière moi, sont des modèles de plein pied qui offrent des volumes un petit peu plus importants. Nous sommes sur des modèles de maison avec 4 pièces, 5 pièces ou 6 pièces. Ils s'appellent ainsi les pistons pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont en façade une saillie sur les espaces verts collectifs qui correspond au cellier de la maison, mais aussi parce qu'ils sont équipés de cloisons mobiles qui permettent de moduler la taille de certaines pièces et notamment des chambres pour s'adapter à différents types de familles. La résidence est construite autour d'un parc central, un parc de 5 hectares, qui offre des allées piétonnes pour pouvoir se promener d'un bout à l'autre de la résidence. D'ailleurs, dans l'ensemble de cette résidence, les voitures sont rejetées à l'extérieur, les garages étant en rotonde aux différentes entrées. Ce parc, il est géré par l'association LAFUL qui gère cette résidence. LAFUL étant une association foncière urbaine libre, gestion en commun par les propriétaires et c'est eux qui entretiennent ces espaces qui appartiennent à l'ensemble de la résidence. Chaque maison possède en plus de l'espace vert collectif qui est devant l'entrée, un jardin privé qui s'ouvre sur ce parc à l'arrière des maisons. L'originalité de ce quartier, elle tient aussi beaucoup à la fois à son écriture architecturale, mais aussi aux différents détails poétiques qui viennent l'agrémenter. Ces maisons, elles ont été réalisées en béton projeté ou banché. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on installe des palissades de bois et qu'on coule le béton directement sur place entre ces palissades de bois qui permettent de le mouler. Et on a traité le béton de différentes manières pour donner des rythmes différents aux façades. Les modèles de cylindres sont également caractérisés par ces fenêtres en losange. L'architecte en chef, donc Philippe Deslandes, avait expliqué que c'était le modèle de fenêtre qui permettait d'avoir le plus large champ de vision avec la surface de fenêtre la plus petite. Autre détail d'ornementation de cette résidence, ces noms de rues colorées. Toutes les rues ont des noms de couleurs. Elles constituent une part de la grande poésie de ce quartier. Autre détail, c'est les décors graphiques qui ont été dessinés par les architectes eux-mêmes. C'est aussi une des marques de fabrication du couple Deslandes. C'est d'insérer des petits clins d'œil, de l'humour sur les façades. Par exemple, une façade ornée entièrement de flacons, mais aussi des lettres insérées un peu partout, des formes géométriques ou encore des pots de fleurs ou une demi-arc de triomphe qu'on peut retrouver disséminé un petit peu partout dans le quartier. Cette grande humanité des architectes explique sans doute le très grand attachement de la plupart des habitants qui se sont installés ici et qui sont restés malgré les débuts difficiles, notamment dus à des mouvements de terrain ou des infiltrations. Les Deslandes, ils ont beaucoup travaillé en ville nouvelle et ici ils ont fait d'autres réalisations, notamment en même temps qu'ils construisent ce quartier, ils construisent également, ils participent à la construction du quartier des 7 Mars à Élancourt toujours. Plus tard, ils feront également la halle Marcel Proust à Montigny-le-Bretonneux, mais aussi un ensemble de logements à la Grande Île, à Voisins-le-Bretonneux. Ces aspects-là, vous pouvez les retrouver dans d'autres vidéos que nous vous proposons à Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment le quartier des 7 Mars que nous avions déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver l'ensemble des vidéos.